fait des pompes diamants. Ah, celle-là, les gars, elles arrachent. J'ai pas poilu des jambes, les gars. Mmh. Écarte les jambes. Tu veux que j'écarte les jambes? Quoique, en vrai, devrait faire créer une 15 ans et 12. Voilà, je vous donne mon cul. C'est bon, vous avez le droit de me taper. Vas-y, tapez-moi. Compris du pige. Attends, là, merde, putain. Je crois que ça marche. Est-ce que tu piges? Ok, ça marche, mais pourquoi mon chat il marche pas? Il crache l'ordi. C'est un ordi de compétition, il crache. Putain. C'est trop. Les gars, grosse galère. Je suis arrivé à Webedia, je lance mon OBS, je me dis bon vas-y je lance mon live et tout. Et là je vois quoi? Je vois y a pas de connexion. Du coup j'appelle par-ci par-là pour trouver une solution. Impossible de trouver une solution les gars. Du coup au final j'ai dû me démerder pour trouver c'était quoi le problème. Et en fait il y a une prise Ethernet qui a sauté. Je suis désolé pour ceux qui étaient sur la chaîne d'Amine, j'avais oublié de changer la clé de stream quand j'essayais de régler mes problèmes. J'avais encore le stream d'Amine sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure avant de lancer le live là. Du coup c'est bon, là on est tous ensemble. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est frauduleux. Aujourd'hui il faut le dire. Il faut parler le bon français de Molière. On a perdu une heure de sommeil. Il y a eu une heure en plus, c'est frauduleux. J'ai trop le seum, je me lève ce matin, je me dis mais attends, normalement là je suis pas autant, je suis pas comme ça normalement le matin. Et en fait j'apprends quoi? J'apprends qu'on a perdu une heure. Petite annonce, je l'ai dit maintenant ou pas l'annonce? Est-ce que je dis une petite annonce maintenant? Bientôt les 5 millions, du coup, qui dit 5 millions d'abonnés dit live de 4H. Si on traduit en français, live 24h samedi prochain. Je dors pas, planning toute la journée, 48, non les gars j'ai déjà fait 48, c'était chaud. 24 heures, c'est pile assez. Est-ce que vous avez tous passé une bonne journée? On va aller sans plus tarder sur Fortnite, on va arrêter de blablater. Je suis allé à Tomorrowland. Je sais pas pour ceux qui connaissent Tomorrowland. Festival un peu électro, tu connais, il y a des mecs qui sont, ils prennent des substances bizarres et ça peut partir en couille. La tête de Wam, les gars, j'étais jamais allé, hein. Je vous jure, si un jour vous avez l'occasion d'aller à un festival d'électro avec un pote, c'est trop dingue. Musique à fond, tu te mets à côté de l'enceinte, t'as les basses, elles vont dans ton cœur. Les basses, elles vont dans ton cœur. C'est... Non mais en vrai les gars, festival c'est survalidé, hein. C'est un peu un concert mais en mode c'est vraiment bonne ambiance. Attends, y'a un mec là-bas? Ouais, y'a un mec, faut que j'aille le faire. Est-ce qu'il va boire un truc? Ouais, il bouge trop. Je crois que l'Italie est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Oh non, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, les Italiens ils ont pas réussi à se qualifier. Y'a Coachella aussi aux États-Unis, un skip, c'est un truc d'art. Top 1 première game ou pas? Yo le coup, si tu fais top 1, t'as un gage. Bah non. Si tout. Ah oui, je le fume lui ou pas les gars? Eh, si je lui mets la tête, je me suce. Attends, je fonce. Fume-le s'il te plaît. Non, lui, on peut pas le fumer les gars. J'ai pas le potentiel. Je suis pas à mon plein potentiel. T'es épisode combien de One Piece? Frérot, je suis plus aux épisodes. Je suis devenu un puriste. Je lis les scans maintenant les gars. Oh putain, il m'a fait le trompeur. Oh je... Oh la merguez. Oh la merguez. J'ai un stuff de merguez. Ok, là je suis bien. Les gars, niveau stuff, je suis pas mal. On prend ça. Oh oui, je suis très très bien là. Sanji supérieur à Zoro? Non, moi je préfère Zoro que Sanji. Mais Sanji, c'est un crack par contre. Et vous voulez trop m'avoir, les gars, dans le chat. Vous voulez trop m'avoir. Vous voulez trop que je dise le N-word. Les gars, j'ai envie qu'on soit, carré entre nous. Y'a pas de. Ah, plus là. Oh le fils de pute. S'il me tue, je porte plainte. Let's go! Let's go! Je l'ai atomisé! Oh le move du spray. Voilà les gars, première game top 1. Mais bon, on n'a pas le temps de niaiser. Oh, je l'ai atomisé. De toute façon, j'allais porter plainte. J'allais rédiger un article. Je vous le dis, j'allais rédiger. Là, mec, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi. J'ai vu la répulsive, j'ai pété mon crâne. Voilà, on les fume, nous. Ça part de là. Ce soir, c'est que des top 1. On a rien à foutre. Non, en vrai, vous, les gars, c'est quoi votre pire défaut? Moi, je pense, je suis rancunier. Je pense, ça fait partie d'un de mes gros défauts. Si t'es un mal alpha, fais 30 pompes maintenant. Si je suis un mal alpha, je fais 20 pompes. Non, si je fais pas top 1, je fais 20 pompes. Allez, hein. Je suis un connard.
trop gentil. Ah, il y en a, leur défaut, c'est d'être trop gentil. Procrastiner. C'est quoi procrastiner? Trop gentil. Mais vous pensez pas que de dire qu'on est trop gentil, c'est arrogant ou... Ah, je sais pas, hein, je demande. Mais dire je suis trop gentil... Oh non... Mais c'est vrai que trop gentil... Vous êtes trop gentil avec les gens, vous donnez votre confiance trop facilement. C'est ça ou pas, les gars? En fait, j'ai pas envie de me faire enculer. Voilà, je vous le dis, trop curieux... Ah, ça, c'est un... Ouais, c'est pas ouf d'être trop curieux. Faut être curieux, je pense, mais pas trop. Faut pas abuser. En fait, moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense sur donner sa confiance. Moi, pour moi, que ça soit un ami ou ta meuf, je donne... Je garde un self-control sur moi. Je garde 30% de self-control et je donne 70%. Tu donnes pas tout, mais tu donnes... Attends, y'a un mec. Il va m'enculer. Ok, je l'ai enculé. Oh putain. Non, je donne pas 70. Mais en mode, tu gardes au moins 65% de ta personne et tu donnes tout le reste à l'autre. Mode, imagine, tu donnes toute ta confiance à ton pote. Le jour où il te trahit, tu te sentiras vide. C'est un peu bizarre, hein, comme philosophie, mais... Putain, j'en peux plus. Mais je vais me faire enculer, hein. Qu'est-ce qu'il foutait en haut? Mais ah ouais, mais il m'a défoncé. Ça veut rien dire. Ah ouais, vous trouvez que ça veut rien dire? Bon, après, j'ai du mal à m'exprimer. Non, mais en mode, je veux juste dire, même si c'est le mec que t'as le plus confiance dans toute ta vie ou pas, il faut pas donner 100% de ta personne en confiance à quelqu'un. Voilà, c'est tout. 20 pompes. Le temps que la prochaine game se lance. 20 pompes. Attends, mais demain, j'ai pec. Donc ça veut dire, faut pas que je me grille. Donc 20 pompes, en vrai, ça va, ça grille pas trop. Ok. Défi respecté. J'en ai fait 20. Fais des pompes diamants. Vous savez faire pompes diamants ou pas? Est-ce que le chat, vous savez faire pompes diamants? Pompes diamants, les gars, elles sont vraiment dures. Pompes diamants, c'est comme as. Ah, celle-là, les gars, elles arrachent. Pompes sur les doigts. Ah ouais, non, c'est végétal, hein. Pompes sur les doigts, les gars. C'est de la torture. Flocon d'avoine, déjà, c'est dégueu, les gars. Si je meurs, je pompe à une main. Mon sport, c'est de regarder les vidéos. Ah ouais, frérot. C'est... Ah, je pense pas que c'est un sport qui va te faire beaucoup... perdre beaucoup de calories, mais... Oh, un abonné. En mode, merci mon ref. S'il me tue, je porte plainte. Stream à cœur de merde. Oh là là, honte à lui. Hein. Même en stream à, il a pas réussi à me tuer. Hein. Grosse honte à lui, les gars. Bizarre de pomper à une main. Ambiance chelou, les amis, dans la live de ce soir. Moi, j'aime bien pomper à une main. Vous aimez pas, vous? Après, bon, demain aussi, c'est pas mal. À demain, t'as vraiment la sensation, t'as vraiment la bonne sensation musculaire. Pomper à deux mains, c'est quand même une meilleure sensation qu'une main. Une main, c'est pas mal. Mais quand tu veux y aller à fond et que ça ressort bien, quand tu pompes à deux mains, je pense que c'est pas mal, tu vois. Ah ouais, non, faut le faire pour penser à ça. Pompe à une main, deux mains, ah ouais, non. Remettez les idées droites, là. C'est pas possible de penser à ça. Je commence à avoir l'esprit mal placé aussi. Ponce dans des portes, pompe à deux mains. Ah, les gars, ambiance bizarre, là. Hein. En vrai, les gars, je vous jure, depuis que je fais les jambes à la muscu, j'ai un vrai cul. Je touche mon cul dans la douche, tu vois. En mode, j'adore les culs, donc du coup, je me touche le cul dans la douche. Et la tête, ouais, mais j'ai un vrai cul bombé. Ça se voit, ton fiac? Ouais, oui. T'es pervers. Bah non, je me touche mon propre cul. Non, voilà, maintenant c'est bon, à un moment faut arrêter, les gars. Oh, dans la douche, vous faites jamais ça. Et je vous jure, je me suis rendu compte qu'il était énormément bien bombé. Avant la muscu, il était pas aussi musclé. Vas-y, on va tester après. Hein. Merci Ben pour ton sub. Il y a des gens ici ou pas? J'ai pris le colis, mais c'est le colis le plus éclaté de ma vie. Donc on va vite se barrer. Hein. C'est où que ça se tape? Oh, ils sont là. Putain, il fait quoi lui? Moi, bon, je pense que c'est mort, on le rattrapera jamais, les gars. Oh, il est là. Oh. J'arrive, bébé. Je vais te faire du sale. Oh non. Aïe. Je porte plainte. Je le dis. Haut et fort. Porte plainte. Je porte plainte. J'ai mis 10 chargeurs, les gars. 10 chargeurs de la BRB, gros. Pompe à une main plus... Ok, vas-y, venez, on tente la pompe à une main. Oh, putain. Oh, attends, je vais me faire trop mal, en fait. Ah ouais, non, en fait, c'est dur, hein. J'ai eu chaud. Le studio a eu très, très chaud. Attends, faut que je m'échauffe. Je m'échauffe parce que je sens que je vais me péter la main. Je pense que c'est dur, quand même, les gars. L'épaule, surtout, parce que c'est l'épaule qui va prendre cher. Wesh, mais c'est impossible. Et comment tu fais? Je suis sûr, il y a une technique. En fait, je pense que je peux le faire, mais faut trouver la technique. Jambes écartées. Ah, faut écarter les jambes. Est-ce que c'est validé là? Là, mais en fait, ça nique le triceps. Hein. Pas autant. Hein. Ah ouais, là, j'ai trop écarté. Ah ouais, mais quand t'écartes moins, c'est plus dur à descendre. Oui, valide. T'as des poils de jambes ou pas? En vrai, regarde. J'ai pas poilu des jambes, les gars. Si?
En vrai, ça va, je suis pas trop poilu des jambes, j'ai de la chance. Ils ont trop la dalle, les chars. Va me casser les couilles, les chars. Je sais pas si c'est un bot ou un vrai mec, mais... Putain, mais les gars, ça pue la merde, le char. Ça pue la merde, je les ai tous fumés avec mon petit gun. J'étais un monstre. Ok, les gars, on va spawn dans un coin tranquille pour faire un top 1. Parce que sinon, il y a des chars et tout. Moi, je vais plus dans des villes où il y a des chars, c'est bon. Ça m'a saoulé, frère. Écarte les jambes. Tu veux que j'écarte les jambes? Voilà. Ah non, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Ah, mec, j'ai vu le retour du stream. Attends, je remets. J'ai vu le retour du stream, j'ai fait oh, ambiance chelou ce soir, les gars. Je suis pas trop fan de cette ambiance en live, les gars. J'ai le gros écartement de jambes là. Ambiance missionnaire. Ouais. Tu sais, c'est quoi missionnaire? Vous savez, c'est quoi missionnaire dans le chat? Missionnaire, c'est dans les. C'est dans l'armée. C'est papote plus top 1. Si ça, c'est pas beau. Ok, on va prendre ça. Est-ce que j'ai fait ça pour rien? Moi, j'ai fait ça pour rien parce que l'arme est éclatée au sol. Je vais l'avaler. Toi, tu crois que tu vas t'enfuir? Alors, toi, t'es bon. Alors, lui, il croit au Père Noël. Il m'enfuit, je suis une salope. Hein. T'es mort, frérot. Oh putain. Mais attends, mais c'est une blague. Regardez bien, faut que je le tue. Il s'enfuit, je suis une salope. Hein. Oh la 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 la! Oh la 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 la! Oh la la, mais oh la, mais faut que je suce! Mais faut que je suce en fait! C'est monstrueux là ce que je viens de faire. Je l'ai atomisé, gros. Moi je suis une salope. Donc moi. Oh putain! Non mais frérot, mais c'est trop, mais c'est trop. Mais ce jeu, en fait, faut fermer sa gueule en fait. En fait, faut fermer sa gueule. Non mais c'est sidérant en fait, je suis sidéré. Il sort d'où lui? Il est caché derrière un rocher, les gars. Putain, j'ai trop le seum. À peine je parle, je me fais karma. Non mais c'est trop. Ah, il m'a mis une clim. Ah ouais, les gars, c'est l'été, il m'a mis une clim. Allez hop, ça dégage. Karma, climex. Tu connais, il m'a doigté. Oh frérot, non, vous me la faites à chaque fois, les gars. Non. Genre, ça marche encore sur moi, ce genre de truc. Ça marche plus sur moi. Allez, on va se faire un petit tilted. Petit tilted. Si on sort vivant, c'est top 1 assuré. Voilà, je le call. Ouh, il y a du people dans ce petit train, là. On va me tuer des mecs, là. Ça va se taper fort, pense pas. Oui, y a un mec, je suis pas fou. Oh putain, j'ai chaud, sa mère. Il va m'enculer. Bah ouais, mes frérots, ils savent que je suis là. Ils me voient à travers les murs. Avant de commencer le live, je tiens à dire One Piece est le meilleur manga de notre génération. Voilà, comme ça au moins c'est bon, on peut enchaîner. Non, je rigole. On va pas faire le débat Naruto One Piece. J'étais team Naruto avant. Regarde, j'ai encore mes statues parce que j'adore Naruto. J'ai la statue de Sasuke là-bas. Maintenant, voilà, j'ai commencé One Piece. Et il faut être honnête, j'ai préféré One Piece que Naruto. Mec, parce que c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Maintenant, je n'ai rien contre ceux qui préfèrent Naruto One Piece, pas de combat, les deux animés sont incroyables, mais pour ma part, je préfère One Piece. Donc déjà, on va commencer à faire bien les catégories. Au mieux de incroyable, je mets Masterclass. Vas-y, je mets Masterclass. Masterclass. Cool de ouf, bof, nul, je connais pas, fils de pute. Logiquement, je suis censé tout connaître. Est-ce que GOAT, on en met qu'un seul? Et du coup, on fait Masterclass. Et ici, on met Légende. Légende. On commence avec Akainu. Allez hop, ça part direct en fils de pute. Une objection dans le... Est-ce que vous avez une objection dans le chat? Si vous avez une objection, dites-le maintenant. Parce que j'en prendrai pas du tout compte. Il restera dans cette case de fils de pute. Bah moi, les gars, Aokiji, je crois, on a commencé le voir avec Reigner Slobby et tout. Avec Robin, tout ça. J'aime bien son fruit de la glace. Je le mets dans Cool de ouf, je pense. Aokiji. On l'a pas vu tant que ça. On l'a vu de temps en temps. Je vais mettre une case pas vue, je pense. Pas assez vu. Comme ça, au moins, on se prend pas la tête parce qu'on peut pas trop juger si on a pas trop vu. Moi, au quiz, les gars, c'est soit bof, soit fils de pute. Hein, parce que je l'aime pas. Vas-y, moi, je le mets bof alors. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Oh là là. Bon, allez, on va pas perdre du temps. On n'est pas là pour jouer aux cartes. Nous allons pas perdre du temps. Nous allons pas passer par 5000 passages. Je crois que c'est un de mes persos préférés, faut le dire. Alors, vous pouvez me dire... Non, 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 nul, bof. Allez, hop, moi, je le mets dans légende. Mais Goat, limite, je mettrai Goat. Mec, les gars, c'est une légende. Eh, bah oui, je peux spoil, là, ça va, c'était... C'est le meilleur suicide de tout One Piece. C'est le meilleur suicide de tout One Piece. Il mérite d'avoir sa place en légende. C'est le meilleur. La tête des rames, les gars, c'est le meilleur. Ok, Brook, moi, j'ai bien kiffé son pouvoir, là, avec la glace et son sabre. Après, c'est un membre de l'équipage. Moi, j'ai envie de le mettre masterclass. Non, en vrai, j'ai envie de le mettre masterclass. Même son histoire avec la boune et tout, elle est incroyable. Je vais le mettre dans coup de ouf. C'est plus logique, je pense. Vous mettez Zoro en Goat? Non, mais Goat, les gars, il y en a que 3. Je les ai déjà, les 3 Goat. Bon, Big Mom, en vrai, que dire? Que dire de Big Mom? En vrai, c'est quand même une salope. En vrai, dans le fond, c'est quand même une bonne salope. En termes de force, elle est surpuissante. Maintenant, je vais pas spoil de ce qui s'est passé. En vrai, elle m'a fait rire. À Whole Cake, elle m'a fait rire. C'est soit je la mets dans Masterclass, soit je la mets dans Cool de ouf. Elle est cool. C'est un perso, je l'aime bien et tout. Mais c'est pas le perso Masterclass. Je pense que c'est le perso Cool de ouf. Chopper, bah, mec, Chopper, je vais le mettre Masterclass. Mais le problème, c'est que Masterclass va y avoir tout l'équipe. Bah, pas tout l'équipage. Il y en aura certains qui vont être en légende. Ton histoire, elle est d'art. Moi, en vrai, Masterclass. Pas légende, Masterclass. Le premier perso que tu vois dans One Piece, c'est Kobe. Donc en vrai, je sais pas s'il va se passer un truc avec lui. En vrai, Kobe, moi, je vais le mettre dans Cool de ouf, je pense. Hein. Cool de ouf, je l'aime bien en vrai, Kobe. Hein. Je le mets pas à Masterclass juste parce qu'il a dit arrêtez de faire la guerre. Oh là là, oh là 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 là. Où on le met? Où on met ce Goat? Non, je vais pas le mettre dans Goat. Soit légende, soit Masterclass, c'est un des deux. Crocodile, c'est un des deux. Les gars, moi, à Alabasta, c'est à partir de là que j'ai bien kiffé One Piece. Le combat Crocodile contre Luffy. En plus, le flow de Crocodile, il était incroyable. Et Crocodile s'est fait niquer. C'était le premier corsaire que Luffy l'a atomisé. Mais je pense que Luffy a eu une petite chatte que normalement, un Crocodile, tu le tues pas comme ça. Je le mets dans le premier des Masterclass parce que il est entre les gens des Masterclass quand même. Oh là là! Il va commencer à avoir des débats. Il va y avoir un débat monstrueux. Et on va taper des têtes. Là, il va y avoir des gens qui vont s'énerver. Garp. Oh là 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 là. En fait, c'est trop simple. J'hésite. Soit il prend la ligne rouge qui est tout en haut, soit il prend la ligne orange qui est légende. Mais je pense que comme dans Goat on a dit qu'on en met que 3, il va prendre sa case légende. Normal, il y a sans hésiter, c'est légende. Est-ce que le chat vous avez une objection? Légende, frérot, légende. Déjà toute son histoire avec Luffy, Ace et Sabo. Quand j'ai regardé les flashbacks, j'ai trop kiffé. Ensuite le fait qu'il chiale à Marineford. Quand il y a Ace à côté, il est en train de chialer, j'avais des frissons sa mère. Ensuite je crois il met une patate à Luffy. Quand Luffy il essaye de sauver Ace, il lui met une grosse patate de forain, il en a rien à foutre, il garde ses putains de valeurs. Non, c'est une légende. Doflamingo, les gars. Mec, pour moi, c'est pour l'instant, je pense, c'est mon méchant préféré dans One Piece. Hein. En termes de flow, de son rire, son arrogance. Doflamingo, incroyable. C'est iconique. Doflamingo, il est iconique. Moi, je le mets dans légende. Dragon, le daron de Luffy. Où je vais pouvoir le mettre? On l'a pas énormément vu. Il est monstrueux. Il doit être monstrueux. Mais quand on va le voir à l'œuvre, ça va être incroyable. Donc, je le mets dans pas assez vu. Oh là là. Là, 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 là. Oh là là les gars, il y a un choix. Il y a un vrai choix à faire. Il y a un vrai choix à faire. Alors attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse. Je suis désolé les gars, il mérite sa place. Il mérite sa place dans Goat. Ah ouais, vous le mettez tous en légende? Pour moi les gars, il mérite une de ses places dans Goat. Honnêtement, c'était incroyable. Il m'a fait trembler. Il m'a fait vibrer à Marineford. Quand il est comme ça. Quand il est comme ça. Non mais faut rappeler parce qu'il y en a qui ont peut-être oublié. Quand il est comme ça, il se prend un pic dans le ventre et il dit c'est pas grave mon fils. Non mais en fait rien que ce moment là j'ai su que c'était un Goat. Pour moi c'est un Goat. Moi et attends on a oublié aussi un truc. Quand il meurt, c'est pas il meurt comme tous les personnages de One Piece. C'est pas genre il meurt, il tombe par terre comme ça, il fait ah j'ai mal. Non c'est pas ça. C'est il est comme ça, il meurt et il dit le One Piece il existe. Et il meurt debout. Non frérot c'est un Goat. Usopp les gars, vous le mettez où? Eh les gars, Usopp moi je le kiffe putain. Usopp, il y a trop de scènes incroyables de Usopp. Il y a trop de scènes incroyables de Usopp, c'est masterclass direct Usopp. Hein. Direct. Limite, c'est God. Attends, je vais le mettre dedans. Il a le droit à sa case. Les gars, on lui met God. God Usopp, les gars. Juste pour ça. Ah ouais, mais frérot, venez en garde pour la fin. Bo Hancock, on va la mettre dans... En vrai, cool de ouf. Mais par contre, elle a de ses nibards. Pardon. Cool de ouf. Quoique, en vrai, de vrai, faut lui créer une case. Hein. Ok, prochain perso.
Eh les gars, les masterclass. Eh les masterclass. Moi, Jinbei, incroyable. Kaido. On va commencer avec Kaido. Kaido, à ce qui paraît, c'est c'est un des empereurs les plus forts. Je crois que c'est l'empereur le plus fort en force naturelle. Mais Kaido, je pense qu'il va, finir dans les jambes. Bah ouais, en fait, j'ai pas envie de mettre Kaido en légende. Parce que il a. En fait, c'est juste qu'il est trop fort, Kaido. Mais sinon, en soi, on l'a pas assez vu pour que je dise que. Pour moi, que ça soit une légende. Après, il est trop badass, oui, mais. Moi, je le mets dans meilleur des masterclass, hein, Kaido. Katakuri. Tu vois, là, ça va m'insulter. En vrai, en animé, le combat Katakuri, Luffy, il était d'art. Il était incroyable. Mais en fait, il a perdu son combat comme une légende. Moi, je le mets premier des masterclass parce que son combat contre Luffy, il était légendaire. L'eau, moi, je le mets en légende, par exemple. L'eau, c'est un de mes persos préférés. Est-ce que je le mets en légende? Ouais, je vais le mettre en légende. L'eau, je le mets en légende. Son histoire, elle est incroyable. On a le background du personnage, incroyable. Il a sauvé Luffy, je sais pas combien de fois. C'est lui dans le sous-marin, c'est lui qui a sauvé Luffy, qui a réanimé Luffy. Moi, je le mets dans légende. Bon, alors lui, moi, je vais le mettre dans Cool de ouf. Vous êtes d'accord ou pas, le chat, hein? Cool de ouf. Logique, on faut parler français. Les gars, Luffy, il mérite sa place en gros. S'il vous plaît, dites-moi qu'il mérite sa place en gros. S'il y en a qui me disent non, les masterclass ou légende, c'est l'esprit shonen à lui tout seul. Par contre, si vous mettez Luffy à la même place que masterclass, non. Luffy, goat. Ouais, ok, vous êtes d'accord avec moi, c'est bon. Non, Naruto, mieux. Il y a un mec qui a écrit, Luffy a aucune âme, sa personnalité est éclatée. Les gars, des fois, j'ai envie d'avoir du cérumen pour les yeux. Des fois, il me faut de l'eau. Non, franchement, des fois, il faut mieux. Des fois, il faut pas voir, en fait. Barbe noire. En vrai, c'est légende. Gros, il était éclaté, sa mère. Je sais plus. Avant Skypea, je crois, on le voit. Il dit à Luffy de croire en ses rêves, machin. Pour qu'au final, ça soit son ennemi à la fin. En vrai, c'est un chien, les gars. Le mec a tué un mec de l'équipage de Barbe Blanche pour avoir un fruit. C'est un traître. God des fils de. Mais wesh, ils mettent des persos éclatés et ils mettent pas Corazon et Miwoks. Là, va y avoir gros débat. Ça va peut-être m'insulter. C'est pas grave. Je prends les insultes de tous les côtés. Je veux bien prendre 10 couteaux à droite, à gauche, en haut, en bas, sur le côté. J'ai mal prononcé Miwoks. Miwoks. Mihawk, ou je sais pas, j'ai mal prononcé le faucon. Œil de faucon. Désolé, œil de faucon. Ok. J'ai fait le choix. Vous mettez pas Oden en goutte? Quand Oden, il est comme ça et qu'il doit tenir une heure dans la lave. Il a fait quoi? Mais frérot, il a essayé de sauver tout Wano, gros. À lui tout seul. Le mec, t'as tout le monde qui est avec lui. Ils allaient tous se faire tuer. Il dit, tu les tues pas, mais en échange, je reste une heure dans un truc de lave et je tiens tout le monde comme ça, frère. Non, c'est trop baisé. Moi, je kiffe. Goutte. Nami. Gros Niba, hein. Allez. De ouf, en vrai, j'avais dans Cool de ouf. Bon, dommage. Dommage, j'ai pas pu faire sa catégorie. Roger, GOAT. Pour moi, en vrai, on a la ligne des GOAT. Hein. J'adore Ace. Comme ça, je vous le dis. J'adore le perso. J'adore Ace. Je vais vous expliquer. Luffy, il a retourné toute la terre pour le sauver. Pour qu'au final, il se fasse tuer à cause d'une provocation de merde de Akainu. Et il s'est fait tuer pour nada. Il avait juste à partir. Akainu, il l'insulte. Il se retourne et il se fait baiser. Luffy, au bout de sa vie. Désolé, mais je vais me faire taper. C'est le moment. Voilà, je vous donne mon cul. C'est bon, vous avez le droit de me taper. Vas-y, tapez-moi. Mais j'adore Ace, hein. Moi, je vais appeler mon chien Ace. Je pense, Rayleigh, je le mets dans les jambes. Mec, frère, en vrai, il a sauvé Luffy, en vrai. Sans lui, il y a pas de Luffy après arc machin. Zoro. Oh là là. Zoro, un de mes persos préférés. Moi, je le mets premier d'ici. Hein. Je le mets premier des légendes, Zoro. En fait, j'aurais aimé mettre Goat, mais je le mets premier des légendes. Mets-le dans la catégorie perdu. Shanks. On l'a pas assez vu, mais on peut déjà le mettre dans les légendes, je pense. En tout cas, moi, Shanks. Mais quelle prestance. J'ai hâte de voir Shanks, en fait. Frérot, il a trop de charisme, Shanks. Imagine, Shanks, il est fort juste avec le haki. Comment c'est monstrueux. Sanji. Oh là là. Alors, Sanji, c'est une légende. Déjà, son passé, il est monstrueux. Et en fait, même l'esprit du cuisinier, quand il mourait de faim sur l'île avec le mec des Barachi, là, son passé dans la prison. Sanji, incroyable. On la met où, Yamato? Oh, elle, quand même, Yamato, elle est des couilles. Elle va affronter son daron qui est empereur. Elle en a rien à foutre. Je pense que Yamato, elle peut être dans Masterclass. En plus, elle veut rejoindre l'équipage de Luffy, je crois. J'espère que vous avez kiffé le live. Merci à tous ceux qui kiffent One Piece d'en parler avec moi. Ça fait plaisir. Moi, j'adore les gars, l'animé et tout. Des gros bisous tout le monde. On se laisse et on se voit bientôt. Ciao les refs.